Un des projets les plus recherchés actuellement sur les différentes plateformes de cotation, voilà, CoinGecko et CoinMarketCap. Voilà, il faut savoir que le Luna, c'est une crypto-monnaie qui a fortement chuté. Voilà, je vais donc l'intégrer ici. Vous allez voir sa courbe, d'où elle est partie. Juste en quelques heures, ce projet a perdu plus de 90% de sa valeur. On voit très très bien d'où elle est partie. On était quand? On va se positionner sur les 4 dernières. On va se positionner sur les en 24 heures. En 24 heures, le projet est parti. Regardez où le projet est parti. Voilà, parce qu'il était listé sur Binance il y a de cela. Je pense c'était hier ou avant-hier. Voilà, c'est la première fois qu'une crypto-monnaie est listée sur Binance et elle perd de la valeur. Voilà, elle a perdu la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a été listée sur Binance au mauvais moment. Au mauvais moment. Parce qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies qui sont impliquées dans ce crash. Il y a aussi les marchés boursiers. Il y a les actions des entreprises. Apple a perdu pas mal. Apple a perdu plusieurs. Apple a perdu énormément. Il y a Apple, il y a bref, toutes les grosses boîtes que vous connaissez dans le monde entier, Microsoft, Tesla. Ils ont vraiment perdu. Regardez la chute, regardez la descente aux enfers de Luna. Il y a une crypto-monnaie, regardez la descente aux enfers. Voilà, la descente aux enfers de ce projet-là. Voilà. Donc, les gars, c'est ça la crypto-monnaie. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est un actif très très volatile. Voilà, il faut toujours investir ce qu'on est capable de perdre. Regardez la montée. Donc, c'est une crypto-monnaie qui fluctue beaucoup. C'est une crypto-monnaie qui fluctue beaucoup, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut constamment contrôler le marché. Voilà, donc parce que si vous négligez le marché, vous allez être surpris comme un chien devant la télé. Alors, les gars, c'est pour vous dire alors que pour ceux qui sont en train de pleurer actuellement, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas de formation. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'expertise des projets crypto. Voilà, c'est vraiment dommage, mais. C'est comme ça que ça est, comme à mon chic a l'habitude de dire. Voilà. Le Luna chute drastiquement. Donc, je peux dire, le titre de cette vidéo sera Luna listé sur Binance au mauvais moment. Voilà, c'est ça le titre de cette vidéo. Voilà, parce que je vais encore refaire une vidéo tout à l'heure pour vous montrer. Parce que j'ai encore pas mal de questions qui reviennent encore. Il y a des personnes qui me demandent, leader, montre-nous comment acheter des crypto-monnaies sur Binance. Voilà, je vais refais une vidéo tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, donc, je vais d'abord finir avec celle-ci et je vous reviens. Lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant car tu auras toujours de la valeur ajoutée sur ces chaînes. Donc, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Abonne-toi, partage la vidéo afin que nul n'en ignore. Voilà, lorsqu'on regarde les différents positionnements, vous voyez, on était comme ça en avril, ici. Voilà, ici, nous sommes comme ça le 12 mai aujourd'hui. Le 12 mai aujourd'hui, donc il a fait comme ça 99, presque 100%. Il a perdu presque 100%. Voilà, donc il y a pas mal d'informations là que Binance nous donne ici. À ce niveau, il est à combien? Regardez très très bien. Voilà, donc les gars, abonne-toi et partage cette vidéo à l'échelle internationale. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.